pénétrant dans les bois. Voilà, tu peux là. Il est pas dans... Comment? Il est pas connu cet endroit? Non. Publiquement? Moi je le connaissais pas et personne ne l'a jamais... J'ai jamais entendu parler. That's you and Richard who find this place? Yeah, for the documentary. Okay. Yeah. Great. Yeah, it's a new discovery. We. But I think important. Yes. There's more, much more around here. So this was done. Yeah, it's possible. Yeah, it looks like it because of the sluice. It's a sluice in the rock. It faces Bukharash. Yes. Could be a sacrifice to the great old ones. Yes. The old gods. So yeah. Why not? It's entirely possible. I'm not gonna argue this. I know. My beer. Regards. Alors, je dois apporter des précisions sur ce qui se passe. Donc, Scarlett, Marie et Richard répondent à Magali qui leur demande au sujet du fauteuil de Pierre. Moi, je ne connaissais pas les personnes. Ils disent qu'ils ont découvert au cours du tournage du documentaire de Richard, Notre Monde. Et qu'il y a encore d'autres choses à voir. Un endroit secret que personne ne connaissait, mis à part la personne qui les avait amenés. Et que c'était une pierre de sacrifice. Donc ils lui disent qu'il y a une sorte de rigole par où devait s'écouler le sang, supposément. Tourner vers le bigarage. My beer. Bigarage. Oh, on voit Bigarage.
tourner vers le big garage. Et il ferait référence aux anciens dieux. Et que donc les anciens, les celtes, les druides, faisaient ici des sacrifices humains dédiés aux anciens dieux. Faisait ici des sacrifices humains, dédiés aux anciens dieux. C'est une référence au livre de magie noire de Necronomicon, rendu célèbre par l'écrivain Howard Phillips Lovecraft. Ses nouvelles, ses livres d'horreur. Et ce qui est une référence pour Richard, qui fait sans cesse, souvent allusion aux anciens dieux du Necronomicon. Voilà, donc Richard et Scarlett, ce fauteuil de pierre, qui ressemble au fauteuil du diable de Reine des Bains, près de la source du cercle. C'était donc une pierre de sacrifice humaine. Non, on va Bugarache. On va essayer d'attraper Bugarache. Ah ouais, oui. On va faire trop de zones trop près, sinon on ne va pas le voir. Pourquoi tous les arbres autour ils sont morts? Bonne question. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Yes, it looks like Reine des Bains. More or less. J'avais deux filles. Yeah, like a cross between the fat world. Ça fait comme dans une descente. Le film? Le descente? In Rennes le Château, we found box covers to old Italian horror movies, Lucio Fulci's Gates of Hell and the Beyond, hanging from the trees. I assumed it was some kind of warning. The signs led us to Yorani, who proved to be an indispensable guide and advisor when it came to exploring and understanding the area we came to know as the Zone. About this zone, the first thing that you saw is that it's calm and, you know, beautiful and quiet,
but you feel yourself that you have to be here. Dans les grottes inexplorées, dans une descente, il y a des zombies. Ah oui, oui, ah oui, non, mais là, il n'y a pas de zombies. Donc, non, ça serait drôle. Ouais, je ne parle pas de zombies, je parle de grottes qui sont inexplorées. Ce serait intéressant, ça nous dit. Parce que ça se trouve, ça peut être des grottes où il y a eu des impacts de pêche, des trucs comme ça encore. Oui, pardon. And when you arrive home, you feel that you have expanded your consciousness. The horror movies. J'ai vu des zombies. Quelqu'un a déjà vu des zombies? Non. Ah, la Velanée, il y en a plein. Oui, maintenant c'est rebaptisé Larve Velanée. Larve Velanée, ah oui, d'accord. Parce que les gens là-bas, c'est des larves. Ah oui. Et combien de... The horror movies, the... Et quel endroit? C'est ce qui se passe. Ils ouvrent les portes de l'enfer. Rennes le château, c'est spécial. C'est, tu peux y perdre ton âme. Kilomètres d'ici où vous habitez jusqu'ici. Bon, il y a une heure en voiture à peu près. Ah oh, ouais, bah. Pour la mer à boire. Quoi. Non, c'est le désordre. Et la Velanée, Belesta, Clion, ah. Ils sont sympas les gens de l'Ariège? Ça va. Ils sont plus sympas que les gens de l'Aude, non? Bon, les gens de la Velanée sont cons. Hein. Pareil. Les gens, ils sont aussi enfermés dans l'Ariège que dans l'Aude, quoi. Ah ouais. Pareil, quand la ville elle est un peu importante, ça va, mais dès que c'est un petit village. Ah, ils sont enfermés les gens, ouais. Ils sortent pas beaucoup, ils sont. Ouais, ils... c'est ce qui se passe dans le village, ça c'est. Oui, c'est sûr. Il suffit qu'il y ait un nouveau venu, il commence à le regarder, puis à le juger avant qu'il le connaisse. Ouais. Ah mon Dieu, et tout ce qui était les Saxons, je veux dire les Francs, tout ça, tu sais que même les Huns, quand ils coupaient les têtes, les Huns comme Attila, ils coupaient les têtes, et c'était pour eux des trophées, et ils en avaient même attaché à leur crinière de cheval. Mm. Et ça, c'est authentique. Hein. Ouais. Sur les chevaux, la force. Ah oui, non, ils avaient les têtes coupées parce qu'ils avaient les cheveux longs à l'époque. Ouais. Avoir les cheveux longs, la barre, pour eux, c'était un signe, un type d'honneur. Quand les Mérovingiens, par exemple, quand ils étaient prisonniers et tout, on les rasait, puis on leur coupait les cheveux, c'était un déshonneur complet. Et alors, quand ils avaient la tête coupée, des fois, ils prenaient ils prenaient les cheveux, puis ils les attachaient à la... pour la politique, surtout. Rennes le château, c'est spécial, c'est... tu peux y perdre ton âme, comme tu peux t'élever. C'est un peu un labyrinthe comme dans les grandes cathédrales, fait par nos anciens, bon, je veux dire, avec des pièges, des choses trappes. Benjamin est venu, alors c'est bon, hein. Alors c'est bon, hein. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc.
toile d'araignée avec une araignée qui est gigantesque, mais en même temps qui est invisible. Et les gens qui y viennent, qu'ils sachent que quelque part, ils sont comme des mouches. Si jamais ils se font prendre dans cette toile d'araignée, bah, ils se font bouffer. Des formules pour faire apparaître le diable dans le miroir. Des formules pour faire apparaître le diable dans le miroir. Et donc j'ai fermé la porte de ce diable. Quand on soupe avec le diable, il faut avoir une grande cuillère, sinon bah, on ne soupe pas. Et comme ici on est un peu dans une toile d'araignée, hein, c'est l'araignée. Hein. Talk. Gets around. Tu arrives? Ouais. T'as coup de pied, et à coup de main? Non, c'est bon. Viens. C'est bon. Viens. Oh, mais là, c'est ça, marche pas, vous. Ok. Viens. Tu mets un pied. Oh. C'est facile this way. Ah, ok. Alors, comment il est orienté? Il est orienté par là. Allez, on est partout. Hein. C'est le mec qui fait ça? Ouais, ouais. Et ça veut dire comment? Oh, ben c'est son signe. Ouais. Le signe de... Ah, ben il y en a du monde, hein. Pour un endroit secret, hein. Ça la fout mal, hein. C'est secret, personne n'est au courant. Mais qu'est-ce que vous faites là, mon cher? Mais je vous croyais. Je vous croyais à Paris. Oh, no, this is another phone. Yeah. Yeah. Falling out. Should I used to be? It's a sign. Yeah, it's a falling sign. Non, on m'avait bien dit, je vais pas là-bas, tu verras. On m'avait bien dit. Oh, un petit souvenir. Voilà. Merci. But it's excellent. Pourquoi on parle des dragons? Scarlett, Cédric, je ne sais pas, c'est quoi? Je sais pas, c'est... Point de lecture. Ok. Grand restaurant, non. C'est pas forcément envie d'un grand restaurant. Non, mais j'ai vu. Mec, ouais. Juste un truc. Tu parles de l'hostellerie, là, ou de l'autre? Je sais rien. On verra. Ok. Ouvert, bah, moi, c'est connerie. Ah oui, ça me paraît bizarre. Par contre, j'ai entendu dire qu'il y a une femme qui est en train de faire des études sur un site en Égypte. Elle pense qu'il y a une pyramide en Égypte qui n'a pas encore été découverte, qui est une forme. Qui serait plus grande que la pyramide de Khéops. C'est possible. Mais alors, ça fait 10 ans qu'elle est ici. C'est Antoine Gigal, non? Hein? C'est pas Antoine Gigal? Ouais, il me semble que c'est ça. Elle est sur Facebook, elle est... C'est ça, c'est ça, c'est elle. Elle est trouvée pour le magasin Top Secret aussi. C'est ça, c'est ça. J'ai entendu ça hier à la radio. Je me suis garé. Bon, bah c'est bien. Hop, ça y est glissant. Ouais, ici, quand ça tombe de l'eau, ça doit être super glissant. Ici. Ah ouais, ça fait bien. Ça, c'est les coups. T'as pas intérêt à passer. Combien de fracteurs du coccyx ici? Oula. Oh là. T'as vu comment ça glisse? Ouais. C'est moi qui ai pris le caoutchouc en dessous. C'est ça que j'ai monté le temps. Tu fais cette bouteille? Non, non. Non? Il n'y a personne. Ah, ah bah tiens, j'apprends, bah tiens, passe. Well, it's not great. Not over. It's more. Okay. Much more. Good. Oh no, there's not water up there. Yeah, you just have to put it around over there. That's mine, yeah. Ah, merde, monsieur. On peut tout là, on peut le pour les yeux, pour les pieds, je crois. You know what, Richard? I think Elaine has it. Pardon.
campagne aussi. Dans la roche. Ça, ah oui, pareil. Je ne sais pas si c'est naturel ou si ça a été creusé. Faut pas casser de ça, parce que mon pote, celle-là, c'est coincé, bonjour. Hein. Attends, hein? Ah ouais, bah, laisse tomber, mais j'aime pas trop passer là-dessous, moi. Voilà. En plus, c'est un genre de dolmen, faut pas passer en dessous, c'est pas bon. Ah bon? Faut jamais passer sous un dolmen, faut jamais te mettre en dessous. Ah bon, pourquoi? L'énergie en dessous, elle est pas bonne, c'est l'énergie aussi qui est bonne. Ah bon? Ouais. Pourtant, moi, j'ai dormi un jour sur un dolmen. En dessous? Oui, j'ai dormi. Ah. Dans le lit, ça. Ouais. Parce que je m'étais perdu, j'étais mon conseil qui tombait dedans et je me suis mis sous le dolmen. To excavate this. I mean, the site needs to be excavated. I mean, this is, there's something plainly here. Je me sens pas bien. Ouais. Je me sens pas bien. Ah bon? C'est lourd. Ouais, c'est comme ça. C'est où, Scarlett et... Ouais. Ça Scarlett. Oh là là. C'est Scarlett. Des trous encore, là. Ouais. Ouais, peut-être qu'il y avait des tumulus par là. Hein. Comme ici on est un peu dans une toile d'araignée, hein, c'est l'araignée. Hein.